c'est les poteaux, c'est les amis. Là, je suis en train de tester ma ligne. Mon flotteur est trop bas. Je suis attaché. Je vais le relier à du polyester qui est tout ce côté. S'il veut tenir, sans casser le fil, ça serait bien. J'ai mis un plomb, un gros avec un worms, comme pour le black bass en fait. Pour le black bass ici, c'est tout simplement pour faire un essai. Je l'ai mis sur du gros plomb, il flottera au fond. Et puis c'est vraiment de la pêche de fond avec un tout petit hameçon, hameçon cuillère en fait. Voilà, on fait un essai. Je pense qu'il y a du poisson ici. Parce que c'est continuité des marais. Ah voilà. Voilà. Bon. Ça flotte un peu. On va voir si ça mord. On va le sortir passer. Vous voyez le bouchon, il est là. Juste là. Et j'ai envie de savoir si ça flotte. J'ai envie de savoir si ça mord. Je pense que ça mord, parce que c'est la continuité des marais, c'est ce qui nourrit les marais salins. Donc je sais que quand j'habitais la minoterie sur le Trouliguin, on avait ça mordait derrière. Là j'ai mis un verre, je vais rajouter un peu, ça pourrit un peu là-dedans, ça fermente un peu, je vais balancer. Dans la flotte, voir ce que ça donne. Ça fermente un peu. Un peu dégueu, mais on va voir si ça marche. Ça va peut-être les faire venir. Du coup, je vais garder un morceau crevette que je vais mettre sur mon hameçon avec le verre. Hop là. Réjouissez-vous de ne pas avoir l'odeur avec vous. Parce que franchement, c'est bien dégueu. Je vais remonter. Hop, mon hameçon avec mon verre. Voilà, vous voyez. Mon bouchon. Et juste en dessous, j'ai mis un morceau de polystyrène. Là, je vais accrocher un morceau de crevette. Avec le verre. Je ne vais pas le lancer si près, mais donc c'est pas grave. Si je veux pas aller plus loin, après tout, il n'ira pas plus loin. Ouais, j'ai l'impression que. Ah merde, du moins, cette polystyrène, ça barre. Je pense que mon bouchon est trop bas. Et comme j'ai mis pas mal de poids, du coup il est en train de couler. Du coup je vais le remonter. Là. Hop, on essaye. Ah, il y a trop de poids, ça m'arrive. Rehausser mon bouchon, c'est pas très grave. Au maximum. Allez, moi je suis sûr que là, il ne coulera pas. Avec ce que j'ai mis. Ligne. Ah si, quand même. Oh, ça c'est chiant.
remonte un peu. Remonter encore un peu. Hop, hop, hop. Là. Là, comme ça, je verrai s'il coule. Souvent les petits poissons ils viennent de... sur les côtés, hein, parce que les ivites, les gros prédateurs, donc ils préfèrent nager sur les côtés. Et là je suis sûr qu'il y a du poisson, parce que c'est l'eau mère en fait. C'est ce qui vient de nourrir les marais salants. Hein. À mon avis c'est bon pour que ça morde. J'ai déjà été pêché dans les laitiers. Bon, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années. Le bouchon flotte, ça a l'air de fonctionner. J'ai plus qu'à attendre maintenant. On s'attaque pas à du gros comme d'habitude, hein, du brochet, du sang, de la glace. Là c'est vraiment du petit. J'ai envie de pêcher petit. On attend, on verra ça mort. Donc vous voyez si votre fil est bien équilibré en fait. Votre fil est bien tendu. Votre bouchon est droite. Donc il navigue un peu entre les deux. Donc ça flotte. Votre ligne est bien tendue. Vous voyez, le bouchon ne coule pas. Si le bouchon coulait, ça voulait dire qu'il était trop chargé en fait. Et là, si ça coule, si ça tire et s'il coule direct, ça veut dire qu'il y a du poisson. Là, je me dis que même un mulet ne résisterait pas à un gros fer comme ça qui est dédié au black bass. Ça va être irrésistible pour eux là. Puis au pire des cas, on peut s'avancer dans l'étier. Je sais que ça mord dans l'étier, j'ai déjà pêché dans l'étier. Comment reste droite, donc c'est signe que c'est bien équilibré. Moi ce que je voulais c'était récupérer le surplus de fil qui doit être quelque part par là, l'excédent. Je vais refaire un petit lancer, je vais bien retrouver mon excédent de fil quelque part. Oui, ça y est, je l'ai. Je l'ai. Allez, viens par là. Voilà. Je pense que là, il y a de la sardine, du mulet. Bouger au fur et à mesure. Hop. Un peu de sachet. Là, je bouge un peu, je titille. Alors, si ça mord pas, on va aller directement dans le port. Mais bon, je suis sûr qu'il y a de l'anguille, du poisson. Un crabe. Un crabe. Ah ça, voilà, excusez ce que je disais. Ça mord. Sauf que là, c'est un crabe. Bon bah. Je vais pas m'en servir pour... Donc s'il y a du crabe, il y a du poisson. Bon bah lui, il est reparti. Je ne pourrais plus m'en servir pour... Hop. J'aurais pu m'en servir pour pêcher le bar. J'ai déjà du crabe comme ça en réserve. Qui m'attend dans mon. Il est où? On va pas l'écraser, ça sert à rien. Ah, il essaie de se barrer. Je vais tenter de le prendre sans qu'il me pince.
Allez, prends lapin. Allez, chope, chope. Allez. Voilà. Allez, on recommence. Accroche-toi, Thérèse. Merde. Il essaie de me bloquer, ce con. Premier coup, je te balance. Du coup, non, apparemment, lui, non, on n'a pas vu. Oh, bah, j'espère qu'on n'a pas que du crabe ce soir. À mon avis, ici, il n'y aura que du crabe. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est la continuité de l'Homber en fait. Boum! Oh! Oh merde, tu as du crabe! Bon, je pense que là, on va aller dans le port. Non, mais que du crabe! Enfin, ce soir, il n'y a que du crabe! Je sais pas ce qui se passe, les crabes, ils sont en folie. Oh, mais non! On va aller sur le port, ça sera plus simple pour moi. Vous voyez, j'ai mis les verres coincés avec deux plombs et mon hameçon est juste en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, ça fait ça. Voilà. On va aller dans le port parce qu'apparemment, il y a que les crabes qui s'intéressent à mon montage. On va aller dans le port, on va aller voir. On aura peut-être du poisson. Je sais pas. À espérer qu'on ait peut-être du mulet, de la sardine, ça peut être super bien. Enfin, de la sardine qui va bouffer des verres comme ça, à mon avis. Ça, c'est du verre spécialement conçu pour le black bass à l'origine, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce sont les worms. Bon, bah, j'espère qu'on ne va pas faire que du petit crabe ce soir. Ça va m'arranger. Oh, je vois que ça bulle là-bas, ça bulle. C'est pas parce que ça bulle que c'est du poisson, forcément. C'est peut-être aussi beau. Vous voyez l'eau qui pénètre à l'intérieur de la vase et ça fait aussi des bulles. Bon, à mon avis, c'est ça. Bon. Ah, si je me mettais au-dessus du pont, parce que le passage en fait est vachement plus étroit à hauteur du pont. Comme c'est plus petit, j'ai peut-être plus de chance. Je me dis que j'ai peut-être plus de chance de faire du poisson. Vous voyez le passage? Vachement plus étroit. Donc là, on va essayer de. Ça se trouve, ça a peut-être mort. Ça a peut-être marché. On va se mettre là. Qui pourra résister à un verre, à un de ce genre de verre.
un bouchon, il flotte juste là. Bon après c'est pas parce qu'il flotte juste là qu'il n'y a pas de poisson, des fois les poissons ils frêlent les côtés pour être tranquille avec justement les carnassiers. Carnassiers, tout ce qui est bar. En même temps j'espère qu'il n'y a pas un bar qui a emprunté le même chemin que parce que là je suis mal. J'espère que ça peut pas trop tarder parce que je suis à court de batterie. Ah, ça bouge. Ça titille. Ah, ça bouge. Quel bouchon, il n'a pas l'air de couler. Ah, des crabes ici, des petits comme ça, là, il y en a un paquet. Des étris en fait, ce sont des étris. Oh bah le bouchon il coule petit à petit. Ça c'est pas mon point de poisson. D'ailleurs c'est rien du tout. Oh non, j'ai perdu mon gros poids. Non, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il ne descendait pas comme je le voulais. J'ai perdu mon gros poids. Ah, puis là, je vais dans la nuit. Je vais devoir tirer dessus. Là. Faire en sorte. Tac, à ce qu'il flotte. Merde, j'ai perdu mon truc. Du coup, là, je suis vraiment en train de le faire flotter. Là, ça bouge. C'est du courant, j'ai pas l'impression que ça lui passe. Je pense que si c'était un poisson, ça tirait dessus. Ça aurait coulé le bouchon directement. Mais là, c'est le courant. C'est tout simplement le courant qui fait bouger mon. Oh, ça plonge un peu quoi. Ça plonge un peu, mais bon, je vais attendre. Je vais attendre d'être sûr avant de remonter, mais c'est génial. C'est là ce que ça va encore être. Allez, allez. Merde. Pardon. C'est pareil, pas grand chose à part des petits crabes. Bon, à mon avis, je vais certainement aller dans le port. Je vais y remettre des trous. C'est ce que là il coule, mais merci. Non, ouais, mais là c'est vraiment. Le mouvement de l'eau qui fait couler mon bouche. Bon bah tant pis, on aura fait un petit crabe pour ce soir.